Bonjour à toutes et à toutes. Très chers amis, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour vous donner un petit enseignement du Admour de Stephen Elst qui a dit la chose suivante. Est-ce que il vous est arrivé de jouer aux dames? Je pense que chacun, durant sa vie, a joué une fois aux dames. Et a dit l'Admour du jeu des dames, nous avons appris trois choses formidables. Dans le jeu des dames, il n'est pas possible, finalement, de faire plus qu'un pas en avant, plus qu'une case en avant. La deuxième leçon que nous avons appris des dames, eh bien, c'est qu'on ne peut jamais revenir en arrière. La troisième leçon, c'est que des fois, il faut apprendre à sacrifier un pion pour un autre. Et la dernière leçon, a dit l'Admour, c'est qu'une fois qu'on est roi, on peut faire ce qu'on veut. Eh bien, a dit l'Admour, dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. Dans tous vos projets, dans toutes vos ambitions, sachez ne jamais avancer plus qu'une case à la fois. Et la deuxième leçon, ne jamais regarder en arrière. Il a insisté sur ça. Très souvent, on broie du noir, on se rappelle du passé, on se convainc que finalement, ça sera toujours pareil, ça sera toujours comme avant, ça sera jamais différent. Ne jamais revenir en arrière. La troisième leçon, c'est que des fois, c'est vrai, tu sors de ta zone de confort, tu sacrifies quelques plaisirs, mais pour gagner derrière, tu as sacrifié une chose dans ta vie, mais tu en gagnes tellement d'autres. Comme dit le rabbin Seigneur Gouetta, il faut arrêter d'avoir pitié de soi-même. On a trop souvent pitié de soi-même. Tafsikou le rachem ala tsmichem, a dit le Rav. Arrêtons d'avoir pitié de nous, mais je peux pas, mais tu comprends, mais si t'étais à ma place, mais si tu savais, mais si c'était, il y aura toujours des circonstances atténuantes, mais il n'y aura jamais d'évolution tant que tu te trouveras des circonstances atténuantes. Et enfin, a dit l'Admour, le dernier message du jeu de dame, c'est que quand on est devenu roi, Ezehu Gibor, qui est l'homme fort, qui est le roi, le jour où tu as su finalement canaliser tes défauts, canaliser tes tentations, tes colères, tes états d'âme, alors à ta mère, quand on est un roi, on peut faire ce qu'on veut. Parce qu'on a su se canaliser, je vous souhaite une excellente après-midi. Et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau selfie.